chantes une chanson de cow-boy? Tu connais une vraie chanson de cow-boy, Pedro? Oui, c'est moi qui l'ai composée et voilà ce que ça donne. Je suis un cow-boy qui mange des haricots avec un A et un ri et un go. Haricoco, haricoboy, coco, kikiri, kakariko. Haricoco, haricoboy, coco, kikiri, kakariko. Allons sous la tente pour se raconter des histoires. Moi, je peux vous en raconter une. Une histoire qui fait peur, alors. C'était une nuit pluvieuse et venteuse dans le Far West. Oh! Et les animaux sauvages étaient sortis à la recherche de nourriture. À la recherche de nourriture? En pleine nuit? Il y a des animaux qui mangent la nuit, Suzy. Les animaux sauvages! Grrr. Et le courageux cow-boy Pedro était seul sous sa tente. Mais il n'arrivait pas à dormir parce qu'il sentait une présence autour de la tente. C'était quoi? Un animal sauvage? C'est quoi? Sûrement un animal sauvage! Ah! Oh! Ce n'est qu'un gentil petit oiseau qui est venu voir la tente de Pedro. Il commence à pleuvoir. Madame Maigrepatte se dépêche de retourner dans la maison. Peut-être qu'elle n'aime pas la pluie. Elle s'est abritée dans le tuyau. Madame Maigrepatte s'abrita dans le tuyau. À cause de la pluie, elle fut trempée jusqu'aux os. Quand le soleil finit de sécher toute l'eau, Madame Maigrepatte remonta dans le tuyau. Je ne veux pas que Madame Maigrepatte retourne dans la maison, Papa Pig. Alors, je vais l'emmener un peu plus loin dans le jardin. Et voilà, cet arbre va devenir sa nouvelle maison. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Elle se met à tisser une toile, Peppa. Les araignées vivent dessus et s'en servent pour capturer des mouches. Ah! Elle a l'air très occupée. C'est normal, tisser une toile demande beaucoup de travail. C'est pourquoi il ne faut surtout pas la détruire, sinon la pauvre araignée sera obligée de tout recommencer. D'accord, papa. Au revoir, Madame Maigrepatte. Il est l'heure de dormir. J'ai vraiment bien aimé regarder Madame Maigrepatte tisser sa toile aujourd'hui. Et sache que demain, elle fera une autre toile. Ah oui, c'est vrai? Oui, chaque jour, Madame Maigrepatte tisse une nouvelle toile. Ah oui, et où va-t-elle la faire, sa nouvelle toile, papa? Je ne sais pas du tout. Nous le découvrirons demain. Bonne nuit. Bonne nuit. J'ai beaucoup mieux à vous offrir que de vrais dinosaures. Les enfants, je vous présente les dinosaures chantants. Nous sommes les dinosaures, les dinosaures, les dinosaures. Nous sommes les dinosaures et nous crions très fort. Ils sont petits pour des dinosaures. C'est vrai. Normalement, ce sont des animaux de grande taille. Tout à fait. Rassurez-vous, nous en avons aussi un gros, un véritable monstre. Voulez-vous le voir, les enfants? Oui, s'il vous plaît. Regardez, ce sont ses empreintes. Il ne nous reste plus qu'à les suivre. Ces empreintes ont l'air plus vraies que nature. Êtes-vous bien sûr qu'il n'y a aucun dinosaure vivant dans le parc, Papy Rabbit? J'en suis presque sûr, Papa Pig. Sautons de rocher en rocher, les amis. Traversons la passerelle. Pénétrons dans la grotte. Oh, les empreintes s'arrêtent ici. Regardez, il y a un grand escalier vert juste devant. C'est un toboggan géant. Oui! Oui! Wow! On appelle un gros dinosaure. Oui, c'est mon gigantesque, mon monumental dino-toboggan.
C'est ce qui s'appelle un gros dinosaure. N'est-ce pas? Il s'agit d'un brontosaure. En vérité, pour être tout à fait exact, il s'agit d'un apatosaure. On dirait que tu en sais des choses, Edmond. Oui. Alors, mes très chers explorateurs, êtes-vous prêts à passer à la prochaine étape de l'aventure? Oui, papy, papy. Tout le monde se souvient des paroles, au moins. Oui, Madame Gazelle. Paix et harmonie dans le monde entier. Paix et harmonie dans le monde entier. Paix et harmonie dans le monde entier. Paix et harmonie. Formidable! Et plus tard, nous la rechanterons pour vos mamans et vos papas. Il est l'heure de la récréation. Amusez-vous bien, les enfants. Et surtout, ne vous chamaillez pas. Tous les pays s'amusent dans la cour de récréation. Le Royaume-Uni est sur le toboggan. Oui. La France et la Suisse sont sur la balançoire. L'Allemagne joue à la marelle. 1, 2, 3. Les États-Unis, la Russie, l'Espagne et la Grèce jouent dans le bac à sable. Je construis un grand château de sable. Hi-ha! Voici les Pays-Bas et le Japon. Maintenant, c'est notre tour de jouer dans le bac à sable. Pourquoi? Parce que votre tour est terminé, Pedro. Vous n'avez qu'à aller sur le toboggan maintenant. Mais c'est dans le sable qu'on a envie de jouer. Aïe! Il n'y a pas assez de place dans le bac à sable. Il ne peut accueillir que 4 pays. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est notre tour de jouer dans le bac à sable. Mais on était là avant vous, je te signale. Suzy ne jouerait pas au petit chef, des fois. C'est Georges qui a commencé d'abord. Laisse Georges tranquille, d'accord? Il est encore petit. Allons, allons, allons. Pourquoi est-ce que vous faites autant de bruit? Nay. Parce que Suzy et Zoé essayent de nous chasser du bac à sable. Non, c'est même pas vrai. Si, c'est vrai. C'est Georges qui a commencé. C'est pas vrai, même pas sortir de là-bas. Merci beaucoup, Monsieur Boule. À présent, elle est prête pour accueillir nos nouveaux voisins. Nos nouveaux voisins? Tout à fait, Peppa. Nous allons avoir de la compagnie. Monsieur Wolf et sa famille viennent s'installer dans leur nouvelle maison. Oh, regardez, des petits cochons. Bonjour, je m'appelle Wendy Wolf. Et moi, Peppa Pig. Merci d'avoir construit notre maison, Monsieur Pig. En quoi est-elle au juste? En paille? En brindis? Non, cher monsieur, elle est en brique. Voyons si elle est suffisamment solide. Pour cela, je vais souffler dessus de toutes mes forces. C'est du costaud. En quoi votre maison est-elle faite, Monsieur Pig? En briques. Alors, vous ne risquez pas de la détruire. Oh, une balançoire! Oui, et c'est moi qui en ai eu l'idée! Eh bien, bravo! Vas-y, Peppa, monte! Tu peux me pousser, s'il te plaît? Non, je vais plutôt te souffler dessus de toute ma force. Peppa et ses amis vont faire un tour de Patata Space. Georges veut monter dans le manège lui aussi. En es-tu sûr, Georges? Ça m'a l'air un peu haut. Papa Pig a le vertige. Mouh! Allez, en voiture, Papa Pig! Oh, oh, il n'en est pas question. Georges est encore trop jeune pour monter tout seul. Bon, d'accord. Mais alors, faites vite. Ne vous en faites pas pour ça. Seulement, Georges a changé d'avis. Mon pauvre chou. Viens voir maman. Moi aussi, je devrais descendre. Et c'est parti! Amuse-toi bien, Papa Pig. Oh, oh, le manège s'est arrêté. Je suis content que ce soit terminé. C'est vraiment formidable! Le monde descend! Tu n'es pas d'accord, papa? Ah, si, très rigolo. Oh, maman, c'est quoi ça? Va de l'autre côté, passe la tête à travers le trou. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Suzy, tu ressembles à une tomate! Regardez, et moi je ressemble à une carotte! Oh oui! Et moi à une citrouille!
Les filles forment la première équipe et les garçons la seconde. Ce n'est pas juste. Tous les petits se retrouvent dans notre équipe. Ne t'inquiète pas, l'équipe des garçons gagnera quand même. C'est vrai? Parce qu'on a une super équipe. Hop. Émilie Éléphant est très douée pour mettre la balle hors de portée de l'adversaire. Émilie se sert de sa trompe. Elle n'a pas le droit. Chut, Peppa, elle est dans notre équipe, voyons. Ah oui, elle a le droit. Non, elle n'a pas le droit. On veut qu'Émilie fasse partie de notre équipe. Pas question, elle est dans notre équipe. Puisque vous vous chamaillez, vous n'avez qu'à tous jouer dans la même équipe. D'accord. Les enfants se sont regroupés dans une seule et grande équipe. Oh, mais contre qui on va jouer maintenant? Eh bien... Bonjour. Voici les parents qui viennent chercher leurs enfants. J'ai une idée. Vous allez jouer contre les adultes. Mais ils sont plus grands que nous. Mais vous, vous avez eu la chance d'être initiés au basket par papa entraîneur. C'est vrai. Alors on peut jouer contre eux. Pour l'équipe des enfants, hip hip hip, hurrah! Pour l'équipe des adultes, hip hip hip, hurrah! Je me débrouille assez bien au cricket. Ah oui, seulement c'est au basket que vous allez jouer. Oui, vous devez lancer le ballon dans le panier. Mais en vous servant de vos mains uniquement, ou de votre trompe. Mais jamais de vos pieds. Vous êtes prêts? Attention, c'est à vous. C'est Monsieur Éléphant qui a la balle. Il est contré par Georges. Qui la passe à Zoé Zebra? Qui la donne à Richard Rabbit? Et Peppa lance le ballon dans le panier. Youpi! L'équipe des enfants a gagné. Avec Cabriole, la première? Laisse-le à ton frère, Peppa, puisque c'est lui le plus jeune. Dada! Dada! Georges aime s'amuser avec Dada. Georges, il s'appelle Cabriole, pas Dada. Maintenant, c'est au tour de Peppa. Je suis la belle princesse Peppa et voici mon cheval magique qui s'appelle Cabriole. Peppa aime s'amuser avec Cabriole. Tu devrais peut-être jouer dehors avec ton cheval. Oui, maman. C'est un peu dangereux. Vous devriez jouer au pied de la colline. Et le moyen le plus rapide d'y arriver, c'est à cheval, bien sûr. Tu es sûr de toi, papa? Alors essaie de ne pas tomber cette fois, d'accord? Oh, oh, rassure-toi, Peppa, je sais ce que je fais. Je suis une grande personne. Comment tu vas faire pour t'arrêter, papa? Eh bien, je ne sais pas du tout. Comment on ferait sur ce petit cheval? Tu es drôlement malin, toi. Tu t'es servi de la mare au canard pour t'arrêter? J'ai entendu un grand plouf. Comment ça, un grand plouf? Papa Pig, sais-tu que tu as un canard sur la tête? Oh, oui, oui, voilà, je suis tombée dans la mare. Dada, Dada! Georges veut faire un tour à cheval lui aussi. Oh. Mais il n'arrive pas à faire avancer l'animal. Si seulement il y avait parmi nous quelqu'un d'assez grand et d'assez fort pour pousser Georges. Moi, je suis grande et forte, alors je suis capable de le pousser. C'est une excellente idée, Peppa. Dada, Dada, Georges, je te dis qu'il s'appelle Cabriole. Dada, Cabriole, Dada. Il est l'heure de se coucher. Je suis un peu triste que mon ombre ait disparu. Il ne faut pas, Peppa. Le soleil s'est couché, mais on a de la lumière. Et on peut s'amuser à faire des ombres chinoises. Maman Pig se sert de ses mains pour faire une ombre chinoise. C'est un oiseau! Écoutez-le chanter. Cui, cui, c'est moi le petit oiseau. À moi! Peppa forme une araignée. Je m'appelle Mademoiselle Maigrepatte. Oh, ça fait peur! Au tour de Georges de faire une ombre chinoise. Qu'est-ce que c'est, Georges? Dinosaure! Georges a fait un dinosaure. Ça fait vraiment peur! Bravo, mon petit Georges! Maintenant, j'éteins la lumière.
Bonne nuit, Peppa. Bonne nuit, Georges. Bonne nuit, ombre chinoise. Bonne nuit, ombre chinoise. Papi Pig! Papi Pig! Bonjour Peppa, bonjour Georges. Aujourd'hui, vous allez avoir votre propre jardin de fleurs. Oh! Un jardin rien que pour Georges et moi? Voici un sachet de graines de fleurs pour chacun d'entre vous. Maintenant, il faut choisir un bel endroit ensoleillé pour planter vos graines. Ici, ce sera parfait. Papi Pig creuse un trou pour faire le jardin de Peppa et Georges. Oh! Ah! Du thé pour les travailleurs! Merci beaucoup, Papa Pig! Qu'est-ce que vous faites? On plante des graines pour faire un jardin de fleurs! Croyez-vous que ce soit bien nécessaire? Oui! Mais c'est ici que j'ai l'habitude d'installer ma chaise! Dans la vie, il y a des choses plus importantes que les chaises, Papa Pig! Mais c'est toujours à cet endroit que je lis mon journal! Tu sais, il y a des choses beaucoup plus importantes que les journaux dans la vie, Papa Pig! Oui, comme les fleurs, par exemple. Regarde, papa. Peppa a beaucoup de graines de fleurs, alors que Georges n'en a qu'une. Oh! Mais au moins, elle est grosse. Peux-tu aller nous remplir ces arrosoirs, Papa Pig? Bon, d'accord. Les graines ont besoin d'eau pour pousser, d'autant plus qu'elles ont très soif. Oh! Voilà des petits oiseaux. Ne laisse surtout pas les oiseaux picorer les graines, Peppa. Oust, oust! Allez-vous-en, les petits oiseaux! J'ai rempli les arrosoirs. On dirait que papa a fait fuir les oiseaux. Oh, oh, oh! Il faut dire qu'il ressemble à un épouvantail. Peppa, Georges, c'est l'heure du bain. Oh, mais si les oiseaux reviennent, qu'est-ce qui va se passer? Ne t'inquiète pas, Peppa. Je veillerai à ce qu'ils ne mangent pas les graines. Merci beaucoup, papa. Bonne chance, Papa Pig. Je repasserai demain. Au revoir. Ah. Pose-toi dessus. Ça va mieux, Polly? Ah, Polly, allez mieux. Super! Polly ne souffre plus du mal de mer. Oh, encore un appel d'urgence. Allô, j'écoute? Allô, c'est Papa Pig à l'appareil. Papa Pig est au bureau. Il y a des canetons coincés sur le toit de notre immeuble. J'arrive immédiatement. Enfin, vous voilà, doctoresse. Écartez-vous, c'est la doctoresse Hamster. Madame Duck a pondu ses œufs sur le toit de notre immeuble. Et ces canetons viennent de sortir de leur coquille. Qui serait capable d'imiter le cri du canard? Moi! Je suis très douée pour faire coin-coin. Vas-y, Peppa, imite le cri du canard et tu verras, les canetons vont te suivre. Coin-coin-coin. Coin-coin-coin. Emmène-les jusqu'à la mare aux canards, s'il te plaît, Peppa. D'accord. C'est moi la maman Duck. Coin, coin, coin. Coin, coin, coin. Les canetons sont de nouveau auprès de leur papa et de leur maman. Et tout ça, c'est grâce à moi. Allô, j'écoute. Est-ce que c'est un autre appel d'urgence? Eh oui, c'est Monsieur Hamster. Il m'attend pour prendre le thé. Au revoir. Au revoir, doctoresse Hamster. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Encore une journée bien remplie pour la vétérinaire volante. Viens avec moi, Kylie. On va aller jouer dans le jardin. On n'a qu'à jouer à mon jeu préféré, c'est-à-dire sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Moi aussi, j'adore faire des sauts. Pour pouvoir y jouer, il faut d'abord trouver une flaque. Oh, il n'y a pas de flaque de boue aujourd'hui. Le temps est trop sec pour qu'il y ait des flaques de boue. J'aimerais bien qu'il se mette à pleuvoir. Pourvu qu'il ne pleuve pas. Nous aimons beaucoup la pluie. Chez nous, il ne pleut pas souvent. Dans notre pays, si vous avez envie qu'il se mette à pleuvoir, faites un barbecue. On peut quand même s'amuser à faire des sauts.
Mon petit frère Georges, il se débrouille plutôt pas mal. Mais c'est moi qui suis la meilleure. Regarde, je vais te montrer. C'est comme ça qu'il faut faire. Vas-y, Kali, essaye pour voir. D'accord. Les kangourous sautent très haut. Waouh ! Voici Rebecca Rabbit. Bonjour, Rebecca. Je te présente mon amie, Kylie. Bonjour, Kylie. Qu'est-ce que vous faites ? On s'amuse à faire des sauts. Pour ça, les lapins sont vraiment les plus forts. Vous allez voir. Oh là là, bravo, Rebecca. Mais tu ne sautes pas aussi haut que mon amie, Kylie. Vas-y, fais-nous un saut, s'il te plaît. Je ne veux pas passer pour une frimeuse. Allez, saute, je te dis. D'accord. Encore un peu et tu touches le ciel. Kylie, le kangourou, est la meilleure en saut. Voici Pedro Pony. Bonjour, les amis. Hey. Bonjour, Pedro. Je te présente mon amie. Voici Kylie, kangourou. C'est vraiment une super amie. Elle est capable de sauter plus haut que n'importe qui. Personne n'est capable de sauter plus haut que moi ou que mon super ballon sauteur de l'espace. Montre-lui, Kylie. Mais Pedro s'est très bien débrouillé. Montre-lui, je te dis. D'accord. Waouh ! Et pour tes amis, j'ai rapporté des coquillages que j'ai ramassés sur une île déserte. Oh ! Si vous le mettez à votre oreille, vous pourrez entendre la mer. C'est vrai ! J'ai l'impression d'être sur une plage. Et pour mon adorable maman Dog, un coffre rempli de pièces d'or et de pierres précieuses. Oh, comme c'est joli. Et puis, ça peut toujours servir. Oh, ça fait du bien d'être enfin chez soi. C'est le matin. Le capitaine Dog s'est levé de bonne heure. Papa, mais qu'est-ce que tu fais dehors? Je mesure la force et la direction du vent. Pourquoi? C'est ce que les marins ont l'habitude de faire avant de prendre la mer. Mais papa, tu n'es plus un marin maintenant. Ah oui? C'est ce que j'ai dit hier, n'est-ce pas? Papa, est-ce que la mer te manque beaucoup? Non, non, la mer ne me manque pas. Par contre, je regrette mon bateau. Viens voir, j'ai un bateau que grand-père chien a fait spécialement pour moi. Ah! Oh, c'est la réplique exacte du bateau que j'avais. Est-ce que tu pourrais m'aider à le faire naviguer? Ah oui, avec grand plaisir. Peppa et ses amis sont autour de la mare aux canards. Oui, matelot, quelle belle journée! Y a-t-il de la place pour un autre bateau sur la Grande Bleue? Oui. Excellente nouvelle! Danny, notre navire a besoin d'un capitaine. Il ne peut pas naviguer seul. Papa, est-ce que tu veux bien être le capitaine de mon bateau? Rien ne me ferait plus plaisir, Danny, à condition que tu sois mon second. Oh oui, d'accord. Vas-y, mets-le à la mer. Oui, mon capitaine Dog. Le vent vient du sud-ouest. La mer est calme. Lors de ma dernière aventure, j'étais parti en bateau autour du monde. Lors de ma prochaine aventure, je partirai en bateau autour d'une mare aux canards. Le capitaine Dog aime naviguer sur une mare aux canards. Tout le monde aime naviguer sur une mare aux canards. Et à l'intérieur de la maison, il y avait un bol de porridge. Jojo Pig avait une faim de loup. Alors, il mangea tout le porridge. Miam, miam, miam. Mais juste au moment où il termina son bol, Bébé Bear entra dans la maison en s'écriant « Oh, c'est toi qui as mangé mon porridge magique ?» Jojo répondit « Oui !» Bébé Bear lui dit « Ce n'est pas du porridge ordinaire. Celui-ci possède le pouvoir de faire grandir. » Alors, Jojo Pig se mit à grandir. Il grandit, 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 jusqu'à dépasser les arbres de la forêt. Fin de l'histoire. Tu as sommeil maintenant, Georges? Non. C'est vrai? Même pas un tout petit peu? Non. Oh. Bon, eh bien, je vais te raconter la suite de l'histoire, alors. Bébé Bear lui dit qu'il y avait un coffre au trésor rempli de pièces d'or et de pierres précieuses qui se trouvait au bout du monde. Mais c'est trop loin pour que j'aille le chercher parce que je suis trop petit. Alors Jojo lui répondit « Moi, je peux t'y emmener ». C'est ainsi que Jojo Pig marcha jusqu'au bout du monde. Il marcha, marcha, marcha. Et
Et maintenant, tu as sommeil? Non. Il traversa des forêts, il traversa des montagnes, il traversa des mers et... Tu as sommeil maintenant? Non. Jojo Pig continua à marcher à grands pas jusqu'au bout du monde et trouva un coffre rempli d'or et de pierres précieuses. Oh! Gardé par un dragon géant. Parfaitement. Un dragon géant tout vert avec de toutes petites ailes et qui crachait du feu. Heureusement, c'était un gentil dragon. C'est un très bon choix. Il s'agit d'un crinosaure. Il sait crier, il sait marcher et il sait même chanter une chanson de dinosaure. Crinosaure, crinosaure, voici le cri du crinosaure. Waouh! Waouh! Crinosaure! On va vous le prendre. Georges joue avec crinosaure dans le jardin. Fais attention quand tu joues avec crinosaure, Georges. Il est composé de plusieurs pièces et tu risques de le casser. Georges ne peut pas jouer avec crinosaure dans le jardin. Georges veut jouer avec crinosaure dans son bain. Si tu joues dans l'eau avec crinosaure, il va rouiller et il ne pourra plus marcher. Georges ne peut pas jouer avec crinosaure dans son bain. C'est la nuit. Georges s'est couché avec crinosaure à ses côtés. Ton nouveau dinosaure m'a réveillé. Il vaudrait mieux que crinosaure dorme ailleurs que dans le lit de Georges. Georges ne peut pas dormir avec crinosaure. C'est le matin. Pourquoi Georges a-t-il l'air aussi triste? Parce qu'il ne peut pas jouer avec crinosaure, ni dans le jardin, ni dans son bain, ni même dans son lit. Ce n'est pas grave, Georges. Crinosaure peut encore crier. Crinosaure, crinosaure, voici le cri du crinosaure. Oh. Je pense que ces piles doivent être à plat, Papa Pig. Quoi, déjà? Combien peut-il y en avoir là-dedans? Je n'en sais rien, au moins des dizaines. Il faut beaucoup de piles pour faire marcher crinosaure. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une trompette? Pourquoi elle ne marche pas? Bonjour les petits enfants. Bonjour. Oh, ça alors, comme ils sont beaux vos animaux. Voilà un petit poisson qui a l'air heureux. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Goldie, mais vous l'avez déjà vu? Vous avez remarqué comme son bocal brille? Mais... Et quel est le passe-temps préféré de Goldie? Il aime tourner en rond et faire comme ça avec sa bouche. C'est fantastique! Et lui, qui est-ce? C'est un phasme bâton, madame. Et comment s'appelle-t-il? Steven. Et que fait-il, au juste? Il ne fait que ressembler à un bâton. Oh, comme c'est étonnant. Oh! De quel genre d'animal s'agit-il? Il s'agit d'un gecko. Et quel est son petit nom? Hémidactylus frenatus. Il en sait des choses, Edmond éléphant. Ah, d'accord. Et que fait-il, ton gecko? Ça! Oh! À qui le tour, maintenant? Oh, oh, oh! À Champi! Est-ce normal qu'il ait la tête en bas? Oui, il dort comme ça. Oh, je vois. En tout cas, il est adorable. Je suis venue avec mon animal, moi aussi. Voici Titine la tortue. Elle aime beaucoup grimper aux arbres et oui, aussi... Oui, mais c'est qui le gagnant? Oui! Qui mérite la récompense? Oh, et le grand gagnant du concours est Titine la tortue. Oh! La doctoresse hamster a choisi de récompenser son propre animal. Ce n'est pas juste! C'est vrai, c'est votre animal. Oh, non, c'est juste un prix qui récompense la meilleure tortue. Le prix du meilleur poisson rouge est attribué à Goldie. Youpi! Le prix du meilleur gecko est décerné au gecko. Youpi! Allô, Greta
gazelle à l'appareil. Allô, Madame Gazelle va quitter l'enseignement. Gigi, elle va partir? Oh, comme c'est triste. On fait une grande fête pour son départ. Une grande fête? En voilà une bonne idée. Vous pouvez compter sur nous. Chouette, tout le monde sera là. Maintenant, allons nous occuper de la nourriture. Voici la cuisine de l'école. Tout le monde met la main à la pâte. Emily Elephant et Wendy Wolf sont chargés de la décoration des gâteaux. Moi, je m'occupe du glaçage. Et moi, de saupoudrer les vermicelles en sucre. Peppa et George préparent la gelée. Elle est pas belle, notre gelée? Regarde, George, comme elle bouge. Pedro Pony monte la garde à l'extérieur de l'école. Voilà Madame Gazelle. Il y a Madame Gazelle qui arrive. Nous ne sommes pas encore prêts. Retiens-la dehors, Pedro. D'accord. Bonjour, Pedro. Tu es bien en avance, dis donc. Oui. N'entrez pas maintenant. Pour quelle raison? Il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas, Madame Gazelle? Oui, Pedro. Puis-je entrer maintenant? Non. C'est interdit par la loi. Mais enfin, Pedro, qu'est-ce que tu racontes? Ça y est, tout est prêt. Maintenant, vous pouvez y aller. Surprise! Car c'est une bonne camarade! Car c'est une bonne camarade! Car c'est une bonne camarade! Buvons à sa santé! Hourrah! Madame Gazelle, j'ai un cadeau pour vous. C'est une horloge de collection. Oh! Et elle est en plastique massif. Merci beaucoup. Mais pourquoi m'avez-vous organisé une fête? Nous voulons vous dire merci du fond du cœur d'avoir été pour nous la meilleure institutrice du monde.